Et salut tout le monde, on se retrouve sur One Piece Bounty Rush pour partir invoquer sur le portail du nouveau Zoro Festival Bounty Val, enfin Festival Bounty plutôt. Et on va directement partir invoquer. On va voir un peu le taux de drop. Bon, moi j'ai déjà vu, il est de 7%. Et donc on a le Zoro de Dressrosa. Donc et comment il s'appelle, Sanji du mariage royal de Whole Cake Island. Donc Skywalk, sa première compétence, effet anti-déséquilibre, se déplace sur une moyenne distance, inflige des dégâts sur une courte portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Probabilité d'infliger brûlure aux ennemis touchés. C'est pas mal. Ok, vitesse plus 10%. Total charge. Ok. Sa deuxième compétence. Elle est bizarre. Si je la sors assez vite. Pour que personne. Ok. Bizarre le nom. Se dirige vers un ennemi situé à longue distance, inflige des dégâts aux ennemis dans un certain rayon, les projette. On dirait une attaque à la. Si j'ai pas de bêtises. L'amiral de la lumière. J'ai complètement oublié son nom. Kizaru. Non, pas Kizaru. L'effet anti-déséquilibre pendant un certain temps. Après activation de la compétence. Donc, projection basique. C'est pas ça qui nous intéresse. Détail, Roronoa Zoro. Ishidai Senzen Daizen Sekai. Une attaque qui a coupé Pika. Octroi induction du fluide au personnage. Induction du fluide améliore les attaques normales et augmente la probabilité d'infliger une attaque critique aux ennemis touchés par des attaques normales. Ah, il est cheaté. De plus. Inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Inflige en plus de ça, réduction de def à partir du niveau 5. C'est vraiment cheaté. C'est cheaté. Donc, les gars, avant de partir en hockey, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et on part direct. 3, 2, 1, et c'est parti. Je la sens pas trop. Pas d'animation spéciale. Kurobi. Tashiki. Tashigi, Sanji, bah, Sanji 3 étoiles, c'est pas le bon. Ibuma, oh là là. Smack, Chopper, Imuga, Ibuma, ou je sais pas quoi là. Popchi, Robin, oh, oh, elle est dégueulasse. 3, 2, 1, et c'est parti. Yes! C'est ça qu'on veut. Bocchi. Zef. Zoro. Aluida. Django. Oh, c'est quoi ça, c'est vraiment dégueulasse. J'en aurai qu'un seul. Oh, réellement. Oh, un deuxième. Ah non. Un troisième. Santé. Oh.
c'est pas trop ce que je voulais. En plus des anciennes unités. Allez go. J'en tape 3 mais bon, oh, je suis déçu un peu. J'ai envie de la skip celle-là. Chopper. Sanji. Au moins un s'il vous plaît. Au moins un. Yosako. Franky. Oh, les invocations elles sont éclatées. Il m'en reste plus que 3. Oh, il me dégoûte ces invocations. Ah par contre c'est abusé là. Yes, allez s'il vous plaît. Oh, Kapaji, Sanji. Pouah, j'en peux plus. J'en aurai d'autres peut-être, je suis pas sûr. Mais non, je pense pas en avoir d'autres. J'en peux plus, c'est quoi cette malchance? J'en chope 4, parmi les 4 c'est des anciennes unités qui montent à plus d'un an. Oh là là. C'est vraiment éclaté. Donc on va repartir, juste attendez. Du coup on va aller voir un peu les unités que je viens de drop. Même si j'ai été clairement déçu de leur part là. Ah c'est dégueulasse comme un rock. Donc on va partir sur ça. Non c'est pas là. En plus que niveau 60. Elle dégoûte cette invoque, vraiment. Bon ben, que dire, il n'y a pas grand chose à dire. Ils m'ont donné 3 unités, elles qui datent je crois d'il y a 6 mois, même plus. Le mieux commun, 1 an et demi, lui il date de la sortie du jeu. J'ai envie de tarter. J'en drop même pas un des deux nouveaux quoi. Oh là là. C'est bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bah ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve au plus tard à 15h pour les invocations de. Comment il s'appelle, de Minato, si c'est bien lui. Sur ce, allez, ciao
et à plus tard. Peace.